Okay. Gut. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé. Attends. Pardon. Je vais m'excuser pour... Ah putain. Oh, hello. Oh, t'entends. Voilà, donc... Excusez pour ce qui s'est passé à l'intérieur. Ouais, t'as complètement merdé. T'es au courant que maintenant, à cause de toi, je suis stérile. Ouais, t'as que je te frappe. Pourquoi ça? Écoute, l'enfant que je portais, il avait même pas deux trois semaines, d'accord? Donc forcément, je me suis planté dans le mur. Forcément, le choc a fait que je perde l'enfant. Et perdre l'enfant, ça a fait que je sois stérile. Donc en gros, stérile. Donc en gros, je peux plus avoir d'enfant. Ça va, c'est assez clair pour toi? Salut, un sandwich. Non, c'est pas assez clair. T'as voulu me quitter, maintenant c'est fini, maintenant fais ta vie. Puis tu vas quitter la ville, mais t'inquiète pas que moi aussi. Je te l'avais dit. Soit tu perdais moi, en tirant sur la bombe collante, moi et le gosse en même temps, ou soit tu perdais le gosse. En fait, maintenant tu perds le gosse et moi avec. C'est toi qui as voulu. Je t'ai proposé qu'on en finisse, toi et moi. Mais maintenant, c'est fini. Non, je te pardonnerai pas. Ce gars, je l'ai voulu avec toi. GG, là, il en... Le Martin, il est en train de... Il me courir encore après. Tu crois qu'il m'intéresse? Comme à chaque fois. T'ouvres les yeux, il est trop tard. Comme à chaque fois, comme... Comme je te l'ai dit, tu fuis tes problèmes. Alors maintenant, quitte la ville. De toute façon, maintenant, t'as plus de poids sur les épaules. Tu ne vas pas être père. Et en plus, moi, je compte partir de la ville. Et ouais, tu me croyais peut-être pas capable. Tu croyais peut-être que tout ce que je te disais c'était du pipeau. Bah maintenant t'as la preuve. Et voilà. Hein? Quoi? Je comprends rien ce que tu dis. Jamais je te pardonnerai. Martin, il m'a sauvé, mais il aurait dû me laisser crever, tu vois. Et t'aurais dû me faire sauter, moi et le gosse. Ah oui, c'est vrai. T'es policier. Et puis t'as peur à tes problèmes, c'est vrai. C'est très bien, j'aurais pas pu faire ça. Eh bah t'aurais dû. J'aurais pas pu tuer toi en plus de sang-froid comme ça. Ah, parce que t'es en train de dire que c'était dans ton projet de me buter. Bah vas-y, bête-moi. En pleine rue, là, maintenant, vas-y. J'ai jamais dit ça. Je dis clairement que toi, je peux pas te tuer de sang-froid. Juste à côté du but, je peux pas te tuer de sang-froid.
Ouais. Tout de suite, c'est C'est pas pas moi qui a moi, tué le c'est celle gosse. qui te l'a dit, de toute façon. C'est toi qui as tué le gosse. Je me rencontre comme toujours, moi, trop tard. Bob! Than she's been in casting. Voilà, tiens. I'm on the clock. What you want? Some wheels? They're headed by snow tomorrow. I wonder if it's coming at you. Be nice to see snow. Yeah,
Leave hold of that. Stop complaining. Be happy you got a job. Every day, time flies and I get bugger all done. Fabulous!
pas si tu viendras pas à l'aéroport, mais bon. Ce que je sais, c'est que tu viens de me rendre stérile, mais bon. Le message pendant l'accident.
What up, homie? Hey, girl. Hey, you. It's been way too long. Là où j'ai fait mes études. Tu veux que je fasse quoi ici? Bah t'as quoi dire? T'as tout construit ici et tout construit? Tout ce que j'ai construit c'est avec toi et je l'ai perdu. Si tu parles de là-bas. De la boîte de ma mère. À la base, elle m'appartenait pas, je l'ai juste repris. Parce qu'il fallait que quelqu'un la reprenne. C'est tout. C'est que de toute façon, je me suis pas rendu compte de ce qui s'est passé avec vous. Dis-moi tout ça, l'accident, tu vois. Et je sais pas, Every day is blessed. Forestville.
Je sais que je pourrais pas te faire changer d'avis, c'est enfin, peut-être, mais je sais que tu pourras jamais prendre ce qui s'est passé. Et moi, je suis même pas sûr de prendre pas de moi-même. Pas plus, j'entends pas trop. Je sais que je pourrais pas pardonner ce qui s'est passé, je sais même pas si je peux me pardonner moi-même. Alors, mais juste, moi, t'as des amis, je sais pas, t'as... Non, justement, tu te trompes, j'ai pas d'amis. La seule personne avec qui je tenais, c'était toi. C'est ça que je t'ai dit. Toi, tu te plains toujours, toujours, toujours. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Toi, tu dis qu'il y a des gens qui te prennent pour des cons, mais moi, j'ai personne, à part toi. Personne. Martin, il dit qu'il est amoureux de moi, mais... Comme je t'ai dit, il m'intéresse pas. J'ai revendu une partie à deux personnes. Je suis plus propriétaire des vignes. Ça me demandait trop de boulot. Surtout que j'étais enceinte. Je sais pas si tu te rends compte, mais j'étais enceinte de toi. C'était toi le père. Je sais que c'était moi le père. Je sais que j'aurais pu faire mieux. Et je ne pourrais pas prévoir que tu aurais fait un accident aujourd'hui. Car sache que si je l'aurais su, là, ça aurait peut-être pu tout changer. Et que surtout. Je te l'avais dit quoi, à ton avis, pourquoi j'ai posé une bombe à mes pieds, que je t'ai demandé de tirer et de faire un choix? Tu sais très bien que j'aurais pas pu te tirer dessus. Oui, mais ça, c'était déjà un signe. C'était le signe que je te montrerais. Que sans toi, sans le gosse. Je pourrais pas vivre. Et encore moins rester dans cette ville. Effectivement, on décide de partir. Dis-moi, qu'est-ce qui me retient maintenant? Fais ton choix. Tu l'as peut-être pas dit, mais c'est comme ça que je l'ai entendu. C'est toi qui as voulu qu'on en finisse, toi et moi. T'aurais dû réfléchir. C'est le truc que je n'arrive pas à faire.
juste avant que tu partes. Alors que je parte tout quoi? La blague. Hein? Et tu m'as... Tu me demandais quoi? Tu m'as dit avant que je parte quoi? Tu voulais dire quelque chose? Juste un truc. Je t'écoute. Même si tu veux, tu veux plus me parler, que je suis plus rien pour toi. Juste de donner un truc qui me tenait à cœur. Je suis pas tiré donc là. Je rêve où tu viens de m'embrasser. Pour moi. Oui. J'ai vu que t'as remarqué que je porte encore la bague de fiançailles. La seule chose qui me ferait rester en ville, c'est toi. Et si j'ai gardé la fiançaille, à ton avis, pourquoi je l'ai gardée? Pourquoi je l'ai pas enlevée de ma main? Je ne sais pas. Dis-moi pourquoi. À ton avis, tu crois que je suis le genre de personne si je tiens pas la personne qui m'a donné cette bague?
Est-ce que tu crois que je l'aurais encore gardé si je tenais pas encore à toi? Maintenant, j'ai une question. Tu viens de m'embraser, mais... Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Pourquoi tu l'as pas dit quand on... Pourquoi? Pourquoi ce geste, tu l'as pas fait quand on en a parlé tout à l'heure? Au lieu de te tuer au silence. C'est vous, j'étais pas là, je... J'avais pas dormi, je pouvais pas dormir. Ça a tourné, tout ça. Comme j'arrivais pas à communiquer, j'arrivais pas à... On trouvait des questions que j'avais, bah... Je buvais, oui, et je suis mis, je buvais. Et maintenant, ça s'est retourné contre moi, j'avais le moral à zéro, et voilà. Pourquoi ils ont mis le signe à notre enfant est mort et... Tout gâché. Toi, tu aimerais que je reste en ville ou que je parte? Non, moi, j'aimerais, mais bon, vu ce que j'ai fait, je suis pas sûr que tu accepterais. La question, c'est est-ce que tu accepterais que maintenant, je ne puisse plus avoir un enfant? Qu'on puisse quoi? Est-ce que tu accepterais que je ne puisse plus avoir d'enfant? Ben oui. De toute façon, même si tu manquais une jambe, un bras, un bout, je sais pas, que tu faisais des choses ou quelque chose comme ça, tu manques toujours, c'est ça que. Et c'est que j'arrive pas à le prouver. Tu sais qu'avec moi, il y a juste un seul truc pour que tu me prouves. T'as pas besoin de le prouver vocalement. Alors maintenant, écoute-moi bien. Maintenant, je veux certaines choses. Que tu sois franc avec tout le monde. Que tu dises les choses que tu penses, même si tu penses faire mal. Alors ouais, je pourrais pas te pardonner le fait qu'on ait perdu notre enfant. C'est quand même malheureux à dire, mais... Et j'ai une chose à te demander. Essaie d'être le plus souvent en ville, que ce soit pour moi et tes collègues. Et tu verras tout rentrer dans l'ordre. C'est bien pour toi et tes collègues. Il y a un truc que j'ai entendu quand je me suis réveillé de l'hôpital. Martin, il t'a dit à un moment donné, tu fais tes problèmes. Tu vois, il n'y a pas que moi qui te le dis. Donc quand tu as des problèmes, essaie de les régler. Et si tu as du mal à les régler, tu sais que je suis là.
Uber, moi, tu vois, tout le monde. On est terrorisé. Hein? Article dont tu penses que je comprends rien. Genre, tu veux bien ramener tes valises à la maison. Seulement, si tu restes en ville, tu me promets de faire ce que du mieux que tu peux. Tu peux pas rester indéfiniment à cacher toutes les choses aux gens. Tu peux pas rester indéfiniment à ne pas dire ce que tu penses. Et tu peux pas rester indéfiniment à fuir tes problèmes. Surtout que tu sais que je suis là. C'est... Non, y a pas de mais. Je sais, pour ça, j'ai promis que ça... dire que ça te... pas que c'était un tout douce, mais que... Non. Écoute. Je vais dire un truc. Je te pardonne pas pour l'enfant, mais je me pardonne pas non plus. Parce que la personne qui était au volant de ce véhicule, c'était qui? C'était moi. Oui, mais c'était à cause de moi. Ouais, mais... Tu vois que... Il n'y a pas de mais, c'est à cause de moi. Il n'y a pas de mais. Si, il y a un mais. Il n'y a pas de mais. Il est triste à cause de moi. Tu as fait un accident à cause de moi. On a perdu l'enfant à cause de moi. Oui, mais regarde. Tu dis que des fois tu réfléchis pas, mais regarde, moi aussi j'ai pas réfléchi. C'est moi, c'est pas ça, le problème c'est que je réfléchis jamais. Hein? Le problème c'est que moi je réfléchis jamais. Et bah pourtant il faut. Allez, viens.